Свободу! 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 Позор! 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 Je vais parler français pour les Français qui nous regardent. Et ici, nous sommes devant le tribunal du quartier de Basmansky. Il y a environ 150 personnes qui sont rassemblées. Actuellement, le tribunal est fermé. On comprend pourquoi. Nous sommes dimanche. Et également, il y a maintenant, sont arrivés trois fourgons cellulaires qui sont rangés. C'est un très mauvais signe, le long du trottoir à côté des manifestants. Ou du moins les gens qui se trouvent devant le tribunal. Alors commençons par le début. Pourquoi les gens sont ici? Parce que cette nuit, il y a eu, comme ça se fait pratiquement toutes les nuits, et surtout au petit matin, une descente de police dans le studio du canal Préparation d'artillerie. Préparation d'artillerie est un canal qui émet tous les jours à partir de 8 heures. Et c'est le canal, le speaker principal et homme politique qui tient ce canal, c'est Vyacheslav Maltsev. Cette nuit, donc, hier soir, les forces spéciales sont arrivées, masquées, avaient des armes automatiques, avaient des casques, et ils ont fait une intervention dans les studios de ce canal. Ils ont arrêté 7 personnes, dont Vyacheslav Maltsev. Et en fait, ils ont fait coucher les gens par terre et ils ont confisqué les téléphones portables. Tout lien a été interdit. On n'a aucune image de cette intervention de l'intérieur. Et ils ont emporté les gens en deux groupes.
six personnes d'un côté, un commissariat, et à l'autre commissariat, une seule personne. Il s'agit d'Alexei Politikov. Alors, quelle est la raison invoquée? Tout d'abord, dans la nuit, les six personnes ont été relâchées. Par contre, Alexei Politikov a été arrêté et actuellement, il se trouve à l'intérieur de ce tribunal. On vient d'assister à son transfert. Le fourgon a été amené par la porte derrière. On l'a vu quelques instants entre le fourgon et la porte du tribunal. Ça n'a duré que quelques secondes. Les gens s'étaient rassemblés dehors, derrière les grilles, et ils ont crié « Liberté » pour le soutenir. Alors, les raisons pour lesquelles Alexei Politikov est dans le tribunal, les voici. La dernière manifestation importante est celle qui a été organisée par Navalny, le 26 mars. Sur toute la Russie, 1600 personnes ont été arrêtées. On n'a jamais vu ça. Même à l'époque les plus répressives de la présidence de Poutine, en juin 2012, on n'a jamais vu ça. C'est pratiquement le double, dont plus de 1000 environ, juste un peu plus de 1000 à Moscou. Et suite à cela, il y a en général, les gens sont condamnés pour une infraction administrative. Ils font 15 jours de prison, comme on a, par exemple, Navalny a fait 15 jours de prison, Maltsev a fait 15 jours de prison. Je dirais, ça c'est du normal. Mais par contre, il y a des gens qui sont accusés de délit pénal. Donc, le premier de la liste a été un dénommé Kouli. Pour protéger une personne, il a posé sa main sur le bras d'un policier. Il a été arrêté plusieurs semaines plus tard. Et il a été accusé parce que le policier a dit il m'a provoqué une douleur insupportable. Croyant alléger sa faute, il l'a reconnu, Kili a reconnu sa faute en pensant que le tribunal serait généreux avec lui, et il a pris quand même 8 mois de prison. Avec sursis, ferme. 8 ans de prison, ferme. Et ce n'est pas Monte-Carlo, c'est là-bas dans l'Oural, déporté hors de Moscou. Et ainsi, les arrestations se poursuivent parce que le FSB a des vidéos et il visionne ces vidéos. Et quand il voit qu'il y a un contact physique entre un manifestant et un policier, je précise, c'est quand même les policiers qui agressent les manifestants pour faire les arrestations et pas le contraire. Il ne faut pas inverser les rôles. La personne est arrêtée dans les conditions que j'ai décrites maintenant, qui sont produites cette nuit avec Maltsev. Les portes sont défoncées. Cette nuit, ils ont défoncé la porte de Maltsev. Cette nuit, c'est la deuxième porte de Maltsev qui défonce. La première porte qu'ils ont défoncée, c'était à Saratov, il y a un mois de ça. Ça, c'est la deuxième, c'est celle de son bureau, de son studio à Moscou. Donc, les policiers défoncent les portes, arrêtent la personne. Sur le champ, il y a un juge qui la met sous écrou. Elle attend de son jugement. Et le jugement, il est tout le temps, la personne est tout le temps condamnée. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche. Si vous regardez le tableau de travail du tribunal que nous avons devant, le samedi et le dimanche, ils ne travaillent pas. Et bien, mais la justice indépendante travaille le dimanche si elle reçoit l'ordre du Kremlin de travailler le dimanche. Voilà son indépendance. Donc cette nuit, Alexei Politikov a été arrêté. Il est resté arrêté toute cette nuit jusqu'à présent. On l'a amené avec un fourgon cellulaire, comme je l'ai dit, par derrière. Et maintenant, il attend. Il attend
la décision du juge qui, je vous le garantis à 100%, décidera de le maintenir sur verrou jusqu'à son jugement, et le délit qu'on lui reproche est passible de plusieurs années de prison, du 4 à 5 ans de prison. C'est du grand classique, on a déjà connu ça. Alors actuellement, son avocat est devant la porte, il ne peut pas le rencontrer. Voilà, donc nous sommes à Moscou, devant le tribunal Basmanski. À l'intérieur, il y a le prisonnier Alexei Politikov. Et nous sommes ici, devant la porte, environ 150 personnes à attendre qu'on nous laisse rentrer, car le juge doit décider de sa mise sous écrou, oui ou non. Nous sommes coincés entre une rangée d'Aftosak, que vous voyez devant, et le mur du tribunal sur un couloir étroit. Voilà. Alors, il y a trois solutions. Ou on rentre dans le tribunal, ou on rentre dans les fourgons cellulaires, ou alors on sort par le bout du couloir librement pour rentrer chez soi. Alors, pour votre information, je vais dire qu'aujourd'hui, le nombre de prisonniers politiques en Russie est égal à celui de la période d'Andropov. Alors, Andropov était, comme Poutine, directeur du KGB, et il est devenu chef de l'État. Et aujourd'hui, Poutine, directeur du KGB, est chef de l'État. Vous voyez qu'il y a des ressemblances même dans le nombre de prisonniers. Mais il y a quand même une différence. C'est qu'aujourd'hui, les peines que l'on donne ne sont pas de la période d'Andropov, elles sont de la période de Staline, puisque les peines atteignent 22 ans de 20 et 22 ans de prison. En ce qui concerne les Tatars de Crimée, les Ukrainiens, et d'autres prisonniers politiques qui reçoivent un délai relativement court, mais ce délai est prolongé plusieurs fois, et en définitive, il reste au moins une dizaine d'années en prison. C'est le cas de Sergueï Mouratnine, qui a été victime d'un tabassage en prison et qui a la colonne vertébrale cassée. Voilà, donc la police est là, elle demande aux gens de se ranger sur le bord pour ne pas gêner. Bonjour madame. Voilà, donc, transmettez cela en France, la Russie de Poutine, c'est pas le costume de Poutine, la Russie de Poutine, c'est ce que vous avez devant les yeux maintenant. Ce n'est pas la propagande de Spoutnik et de Russian Today. C'est ce que vous avez maintenant. C'est la répression politique, les condamnations lourdes contre les opposants. Et tout cela est lié avec une crise économique très importante. La Russie ne produit plus rien. Un exemple, c'est les véhicules. Je vous montrerai tous les véhicules que vous avez en face. Ce sont des voitures d'importation. Regardez ici, là, les voitures passent, et cherchez une voiture russe. Vous n'en avez pas. La Russie ne produit plus rien. Elle exporte comme un pays africain, un pays colonisé ou semi-colonisé, elle exporte les matières premières non transformées. Le pétrole, le gaz, etc. et le charbon, etc. Là, devant nous, nous avons une Volkswagen. On va voir la police, quelle voiture est là. La police, ils sont plus pistonnés parce qu'ils ont une BMW. Voilà. Donc, transmettez, s'il vous plaît, en France, les informations que je viens vous dire. Ce sont des informations prises sur le bord du trottoir à Moscou.